Bonjour, notre première séance s'intitule « Le champ lexical ». Déjà, nous avons l'adjectif « épithète lexicale » qui vient du mot « lexique ». Lorsque je disais « lexique », ça veut dire l'ensemble des mots ou l'ensemble de vocabulaire. « Champ lexical » en arabe, « bimana al-haqlu al-mu'jami » ou « al-haql al-lughawi ». Donc, « al-haql al-mu'jami », il consiste à ou bien le champ lexical et sa définition est l'ensemble des mots qui se rapportent à un thème ou bien à une notion quelconque. Je mets ici la définition. Un champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent, ça veut dire taqtarino ou tartabeto, à une même notion. Et lorsque je disais notion, ça veut dire thème, idée ou bien thèse. Ce sont des synonymes. J'ai mis entre parenthèses les synonymes de notion, c'est-à-dire fikra. Et dans la langue arabe, al-haql al-mujami huwa majmou'at al-kalimat allati tartabitu bi thimatin aw mawdou'in mu'ayyan. Un champ lexical est l'ensemble des termes qui se rapportent à un thème ou bien à une idée quelconque. C'est clair? Donc voilà la définition d'un champ lexical. Je vais donner un exemple. Lorsque je vais parler, par exemple, de l'école, ou bien le champ lexical de l'école, je dois mentionner tous les mots qui se rapportent au thème de l'école. Je disais, par exemple, professeur, élève, des stylos, directeur, sonnette, cahier. Donc, tous les mots qui se rapportent à l'école. D'accord. جميع الكلمات إذا أردت أن أستحضر الحقل المعجمي لكلمة مدرسة أو لموضوع مدرسة يجب أن أقوم باستحضار جميع الكلمات التي تصب في تيمة أو موضوع المدرسة. D'accord. Donc voilà, j'ai expliqué l'exemple. Autre chose ou bien une remarque. On ne peut pas parler d'un champ lexical sans avoir au moins trois mots qui se rapportent au thème. لا يمكننا أن نتحدث أو نتكلم عن الحقل المعجمي إلا إذا كانت لدينا على الأقل ثلاث كلمات تصب في هذا الموضوع. D'accord? Lorsque je vais par exemple mentionner le mot école, je dois au moins avoir trois mots qui se rapportent au thème de l'école. Ou bien, je n'aurai pas un champ lexical. Donc, c'est notre premier cours. J'attends vos remarques et vos commentaires ultérieurement.